Alhamdoulilah, je vais bien, vous allez bien. On dit quoi? Ah, la semaine a bien débuté. Ah, ça a bien débuté pour nous parce que nous avons la conscience tranquille. Nous sommes des vrais Guinéens. On n'a pas usurpé le titre de Guinéen comme le faux président, quoi. Nous, on n'a pas usurpé le titre d'être Guinéen. Nous sommes nés Guinéens. Nos grands-parents sont nés Guinéens. Tout est propre, quoi. En tant que nous sommes bons Guinéens, là, il faut être fier, tranquille dans la tête. Faut pas avoir peur, quoi. Hein? Il va la comprendre. Car nous, on n'a pas peur, dit. Mais on va vous mettre le feu derrière. On va mettre le feu derrière. On va mettre le feu derrière. On va mettre le feu derrière les faux Guinéens. Mettons le feu derrière les faux Guinéens. Les faux Guinéens. On va mettre le feu derrière les faux Guinéens. Ouais, ça va. Bon, les vautours nous guettent, mais bon, ça, ils ne pourront pas. Hein. C'est juste, ils vont essayer, mais bon. Nous, c'est le ciel que nous louons. Le ciel. Djolou Djalal, l'Ikram. C'est ça qu'on loue. Ya Sabour. C'est ce qu'on loue. Ah, mais les francs-maçons ne pourront pas. Hein. Ils nous cherchent à l'heure là comme on dirait un diamant, tellement qu'ils veulent nous manger. Et ça a sauté, hein. Nabaratuga Oruma. Partagez. À 500, on commence. À 500, on commence. On va parler d'un problème. Bon, on continuera toujours à mettre le feu derrière le faux Guinéen. Mais on va parler d'un thème, d'un sujet qui fait la chronique à Conakry. Combien de fois vous allez voir que notre pays, là, on ne peut pas s'en sortir. Parce que les riches n'ont pas pitié des pauvres. Les riches n'ont pas pitié des pauvres. En Guinée, là, chez nous, c'est le contraire. C'est les plus riches qui sont les plus méchants. C'est les pauvres, c'est-à-dire les pauvres souffrent encore de plus. Et là, affaire dominiale, là. Conflit dominial entre Agias Mao et le colonel Fassine Touré. Vous avez vu la vidéo, non? Vous avez vu les vidéos qui défilent. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Hein? On va mettre le feu derrière les faux Guinéens. Quelqu'un qui a usurpé le titre Guinéen. Il n'a pas un oncle. Il n'a pas une tante. Il n'a même pas une nièce. Qui a vu une nièce d'Alpha Condé ici? Qui est ami avec sa nièce? Qui est ami avec la nièce d'Alpha Condé ici? Qui? Ah, qui? Il n'y a pas de nièce? N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. On va faire les doigts. On va faire les doigts. Hein? On va commencer par faire les doigts avant de rentrer dans le but du sujet. Tous les Guinéens qui veulent que Alpha Condé dégage de notre pays, il faut dire Amin, il faut mettre Amin, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Dieu, tu es le seul maître de la terre et des cieux, des terres et des cieux. On vous prie, Allah, Adjawajal, Koum Fayakoun, on vous prie de faire sortir le mal de notre pays. Le mal, c'est qui? Le mal, c'est Alpha Condé et son clan. On vous supplie. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati. Il faut donner ça aux Guinéens. C'était le meilleur doigt que le prophète aimait faire. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna. Amin. C'est le doigt que le prophète, notre prophète bien-aimé, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disait tout le temps à Dieu. C'était son doigt préféré. On fait le doigt là. Ya Rabbi, Ya Rabbana, Kun Fayakun, Ya Mukti, As-Sabur, Ya Jabbar, Ya Jul Jalal, Ya Muktakabir. Avec toutes les prières qu'on fait matin, midi, soir, il faut dégager Alpha Condé et son clan dans notre pays. Je vous en prie, Amin Ya Rabbi. Son clan de Kassori, son clan des vieux Yagi Tari, qui
qui se font la pipe dans leur voiture là. On a des débats magnifiques. Ça va exploser. Les faux cadres là, qui se font les pipes dans leur voiture là, ça va exploser. On va mettre les audios là. On peut confier notre pays à des pervers comme ça là. Des gros pervers. Des pervers ramassés. C'est-à-dire des pervers qui n'ont même pas de cervelle pour réfléchir. On prie Dieu que tout au biring aura minimum ma bokira monga la makandi manara ala ga bura minimum ma bokira te bira wora wora wonten ko te bira a te bira wora wonten ikui te si wora wonten yi nya ina fala ma manie ga minima te mina place a gam pour on prie Dieu de vous faire sortir. On prie Dieu de vous faire sortir de notre pays. Wallahi billahi. Nous, on s'est sacrifié pour ça. Partez voir tout ce que vous voulez là. L'homme est déjà prêt pour ça. On ne dit pas qu'on est avec. C'est-à-dire, on est directement en contact avec le Dieu. Mais la foi qui est là, dans mon cœur, la foi, à Djoul Djalali Wali Ikram, c'est plus immense que tout. Ça, c'est ma force. C'est notre force. C'est plus immense que tout. Quand je me lève la nuit, j'ai dit bam, tout là. Et rappelez-moi, bien effacé maintenant le poids. Donc, Allah Alpha Condé, mais nous on voit là. Allah Alpha Condé, raclan dégagé. Allah Alpha Condé. Et fait des brim préparé fait population qui mais manga population toro. Allah qui rappelez-moi, échoué. Allah qui a fait cana. Allah qui a fait tronçon. Parce que bara préparé à son mori nous bara et manga la guine qui man toro à la rite en anga toro kasali teku djoulou djalali wale ikram à djawajal kerenara halati sungori na hamfa à l'idée qui wonga sun wonga sali wonga ye danka la mion me moutin dankerago musulmi mamou danketima à moufan kono wonga ye tandaka. On raye danka, ou mabori baratoro, ou mbaratoro, ou mabere baratoro. Agnon, ou nanam falama, la Guinée kabirimbe, en tout cas la Guinée rafan naham. Alaka oumba y tore kui. Alaka oumba y tore kui. Donc, l'affaire de colonel Fassine Touré et Khadja Asmaou Baldé. La ilaha illallah, mon Rasoulah, sallallahu alayhi wa sallam. Ah ouais. L'affaire de colonel Fassine Touré et de Hadja Asmaou Baldé. Attendez, on va écouter ça d'abord. Je vais ouvrir l'appel, vous allez intervenir. Hein? Amin, ya Rabbi. Erdogan, barakallahu feekum. On peut pas. Je vais ouvrir une autre page. Je vais vous donner. On va se islamiser là-bas. Aoti. Si vous acceptez. Mmh.
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Sadaqallahu lazim. Et mon fait mananamma. Et nos mon fait, quand ils nous cherchent là, on prend Dieu. Mon ministre a longori là. Donc, je vais vous faire un briefing pour que vous compreniez. L'affaire dominiale qui oppose Ayassima à Asma au Baldi. Et le colonel Fassiné Touré, c'est un débat que les Guinéens, on ne connaissait pas. C'est hier, avant-hier et hier, que les gens ont vu les vidéos circuler. Maintenant, étant un bon Guinéen, quand on voit le vieux colonel Fassiné Touré en train d'expliquer, elle est touchée, mané, elle est toro, mané. Ici, ce n'est pas parce qu'on va venir dire ici que Agasma Oubalde, elle a l'argent, elle doit laisser la maison au colonel Fassiné Touré. Oui, ce n'est pas ça. Si réellement, la maison appartient à Agasma Oubalde, c'est son droit de réclamer la maison. Mais si réellement aussi, le feu général Lansana Conté, paix à son âme, a offert la maison au colonel Fassiné Touré, Hadia Asma Oubalde ne devrait pas réclamer cette maison. Maintenant, moi, la question que je me pose, comment est-ce que Hadia Asma Oubalde a acquis cette maison? La question en est là. Parce que nous sommes sans savoir que Hadia Asma Oubalde est l'une des femmes du feu général Lansana Conté. Et l'une des plus malines. C'est elle seule qui s'est en sortie dans ça. C'est-à-dire, c'est elle qui a su, elle est venue au dernier moment, pendant que le président était mourant, mais elle a profité au maximum. Parce qu'il fut un temps, moi j'habitais à Kobaya, et je suis voisin à Hadia Asma Oubalde, directement. La maison, il y a seulement une ruelle qui nous sépare. C'est-à-dire son mari actuel, chez Lucien Ifal. Hadia Asma Oubalde, chez Lucien Ifal là-bas, la maison qu'on appelle Maison Blanche. Donc, Hadia Asma Oubalde a acquis beaucoup de richesses derrière le feu général Lansana Conté. Maintenant, cette maison-là, quand même, pendant que Agasma Oubalde, vous êtes resté pendant combien d'années silencieuse, on n'entend même pas parler de vous. Quand même, ce que je vais vous dire en tant que frère guinéen, en tant que fils, ce que je vais vous dire, l'argent c'est beau, l'argent c'est doux, l'argent c'est bien, mais à un moment donné, il faut avoir du sentiment. Il faut avoir, c'est-à-dire, du sentiment de la pitié, ce qu'on dit, sentiment de la pitié pour les autres. Il n'y a pas, partez à Madina, moi j'ai des trucs là, les infos en main. Hadia Asma Oubalde, vous avez des magasins, c'est-à-dire des centres commerciaux à Madina, rien que pour vous. La seule qui a su profiter du bien de son mari, le feu général Lansana Conté. Tout ce qu'on dit de vous, sur vous à propos de votre relation avec votre mari, Monsieur Lucien Ifal, ça c'est votre privé, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Même si vous sortez avec lui depuis 1900, ce n'est pas notre affaire. Ce qui est notre affaire aujourd'hui, c'est cette
cette chose qui est en train de faire polémique en Guinée et qu'on dit que c'est Adja Asmaou Baldé qui est en conflit avec un pauvre monsieur, quelqu'un qui n'a nulle part où aller avec sa famille, même si la maison vous appartenait, mais comment vous avez eu cette maison? Moi, ma question, je me pose cette question, je me pose là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la maison là, c'est une maison étatique, c'est-à-dire c'est un domaine d'État, de l'État, un domaine de l'État qui appartient à l'État. Comment est-ce que Adja Asmaou Baldé, vous allez vous réclamer propriétaire de cette maison-là? Comment vous l'avez acquis? Comment? Le colonel a expliqué dans ses explications en disant que c'est votre mari, votre ex-mari, le feu général Lansana Conté, qui lui a offert cette maison-là. Nous savons tous que toutes les personnes qui sont dans les maisons d'État, aujourd'hui les gens qui sont en train de se taper les poitrines parce que Alpha Condé les a donné des maisons, si vous ne vous préparez pas, qu'ils vous donnent les maisons comme ça, là, qu'on vous donne un décret pour que ces maisons-là vous appartiennent d'office. Quand nous allons venir au pouvoir, nous, on va vous mettre tous au dehors. On va tout faire tomber. On va construire la capitale comme une ville économique. Pas les maisons de taudis qu'on voit. Donc, ce problème-là, moi, Adja Asmaou Baldé, comment vous avez eu cette maison-là? Moi, c'est ma question. C'est ça. Comment vous avez eu, comment une maison qui appartient à l'État puisse, c'est-à-dire appartenir à un individu, même si c'est votre mari qui était président, mais il y a un de ses proches qui se réclame aussi que votre mari lui a donné cette maison. Non, quand même. Avec toutes les richesses que vous avez là, toutes ces richesses là. Maintenant, cette question ou ce problème se rejoue où? Il y a la manipulation de l'État. Il y a la complicité partout où vous partez. Parce qu'on a suivi que le jugement, dans le jugement, premier jugement, c'est Asmaou qui a gagné. Deuxième jugement, c'est Asmaou qui a gagné. Troisième jugement, c'est Asmaou qui a gagné. Tous les jugements, c'est Asmaou qui a gagné. Parce que le vieux, lui, n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il n'y a pas de justice en Guinée. C'est pourquoi quand je vois vos faux procureurs là sortir dans les télé dire qu'ils sont en train... Mais c'est des gens qui ont fait des parjures. Parce que mentir, aider le mensonge à gagner, c'est faire des parjures sur votre serment. Des parjures sur votre serment. Parce que c'est en Guinée seulement qu'on voit la vérité et qu'on laisse tomber. On laisse tomber, c'est-à-dire, il sait que réellement, celui qui vient pour juger, il sait que réellement, l'accusé est innocent. Mais, à défaut de ce qu'on l'a donné, le pot de vin qu'on lui a donné, ou ce qu'on lui a promis, à cause de ça, sa conscience ne le frappe pas pour dire que oui, l'accusé réellement est innocent. On ne verra jamais, c'est-à-dire, on ne verra jamais presque dans notre pays, un juge ou des personnes qui nous jugent, qui vont un jour prendre leur dignité à la place de pot de vin. C'est rare. Billahi wallahi, c'est rare. Parce que, Adja Asmaou Baldé, elle, qui est milliardaire en francs guinéens aujourd'hui, est-ce que financièrement, elle peut s'opposer avec colonel Fassine Touré? Le vieux que vous avez vu là, il est même malade. Le vieux est même malade. Il est malade comme ça, malade. Malade, le vieux est malade. Est-ce que Asmaou Baldé peut rivaliser avec le vieux là, en matière d'argent? Non. Donc,
Je vous laisse intervenir, dire ce que vous avez à dire. On va débattre ça, s'il vous plaît. Comme ça, on continuera de mettre le feu derrière les faux Guinéens les prochains jours, Inch'Allah. Allô, oui, Jibril. Allô? Oui. Ouais, mon frère, écouteur bas, écouteur, il faut enlever écouteur. Il faut enlever écouteur complètement sur le site. Oui, j'ai enlevé écouteur. Parce que moi, je dis bonjour, non, Rebou Mamou, tu me dis, Rebou, là. Salam alaikum. Alaikum salam. D'accord, Rebou, là, parce que moi, émission, là, on a qui. On t'a bien suivi, là. Une vie est suivie. Alors, on a faux type, on est bien suivi, là. Patrimoine bâti, mais rien. Oui, oui, on a bien suivi, là. Parce que moi, je suis fait. Alors, il a fait virement. Il a ramé. Qui n'a pas dit ce que je veux dire. Je ne sais pas si je veux dire. Mais je veux dire. Je veux dire. Parce que je veux dire. 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 Je Vive la femme, tenez nana, mais faut mon mot ou les faladés. À la fin de la volonté, mais il y a un oui, vie est oui. À part la difficulté de la Guinée, à part la Guinée qui est de Fondi, à part le service rendu la Guinée. Aïe, non, à la tofan, aïe, non, non, à moi, non, à tidé, les rêves de mon frère, c'est ce moment qui est, non, à tidé, à. C'est, et moi, non, à tidé, à. Mais il m'a dit que c'était un frère de ma sœur. Il m'a dit. Il m'a dit. Mais, tu es aussi un homme qui est un homme qui est un homme. À sa colonne qui vient à Hassan de Roman, mais et comme t'entendais à Mare, à moi, il y en a encore assez femme. À part ma vie, comme moi, collaborer n'a la route, c'est le bruit, et c'est trempé l'année. Mais la maman, moi, on a gagné la maman. Après, pour la maman, mes filles, ma fille, ma bundoura, ou bien fille, ma yana. On a les filles, bébénana, mais la maman, on a barré les bébénana, soto. Ah, la mufora. Après, figure de l'an, c'est toi. Mais Asmaou, il y a un canamara. Asmaou, mon mari, compte ma mara, fin ramadi. Asmaou, mari, compte ma intérêt, la ma. Mais, Conte tu vas faire qui? Conte c'est la ramfire milieu tamma asma ou tamma dead imma. Ma dead imma ma kire imma. Mais conte mura fama. Loko kire. Amari ama intere namma.
Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je suis avec vous, Qui veut intervenir là? Vous pouvez intervenir dans toutes les langues que vous voulez. Vous pouvez compter ces effets riotama. Mais compte moura ferme. Alors, quel compte moura ferme? Mario compte mon président finalement. Il m'a tout. Il t'a marié. Et bien, dans tout le monde, il était comptera l'une des plus grandes erreurs du président feu général Lansana Conté. C'est d'épouser Agias Maoubalde. Wallah billahi. D'épouser Agias Maoubalde. Je vous le jure, hein, depuis que le feu général Lansana Conté est mort, ça fait 13 ans. On n'a même pas vu cette dame lever du doigt ici. Cette dame, on n'a pas vu. Celle qui a souffert derrière Conté, avec les enfants de Conté, Ariette Conté, paix à son âme, c'est celle-là qu'on a vu ici, traîner jusqu'à mourir avec cette souffrance-là, de stress. Non, à la tagué. Toto est un homme familial, est un bangri de soufé, bourré, ira, et rafala, est un homme bien acquis, est un bangri sotordi. Comment Hadja Asma Oubalde, vous avez eu cette maison-là? Comment vous l'avez acquis? C'est ça la question qu'on doit se poser. Comment vous avez acquis cette maison? Comment? Aumounon dit fala, faut omoule fala. Un officier qui a servi ton mari pendant des années. Je vois pas, ok. Ami, ma mère ou moi. Conte Moura Ferma. C'est vrai, non, voilà ma. Conte Moura Ferma. C'est vrai. Hein? Parce que Conte Moura Ferma, bon. Je t'ai appelé Barry, mais ça dit que tu n'es pas joignable. Je sais pas à quoi. J'ai appelé quelqu'un d'autre là. Hein? Ah, en tout cas, elle n'aura jamais raison. Il faut qu'on accepte la vérité, hein, de quelque côté que ça vient. Il faut en accepter, mais n'attendons. Ok. Jean Baron, Mbaré Rili, Amoudengifé, Napoléon, Belgique qui. Marie-Rélie, Jean Baron.
Facebook, ça marche. Ça marche ici, ça marche. Si tu m'appelles que ça ne marche pas, il faut sortir dans le direct et puis tu rentres encore dans le direct, c'est ça. Il faut sortir dans le direct et puis tu rentres encore dans le direct. Oh. C'est une complicité de l'État. Les militaires sous-sous. Les militaires sous Wodoro. Je veux couper la partie là. Je veux couper les militaires sous. Je veux faire passer ce message aux militaires sous. Alpha Conde est en train de vous effacer de la surface de la Guinée. Les militaires sous, même vos enfants. Les cadres des militaires sous aujourd'hui sont renvoyés, mis en prison ou envoyés à Kidal pour que Réfara. Odoro, les militaires Soussou. Aujourd'hui, les militaires Soussou et les militaires Peul, c'est vous qui sont les cibles d'Alpha Condé. Aujourd'hui, Wallahi Billahi, si le colonel là, le colonel Fassine Touré là, était du RPG, c'était un membre du RPG. Adja Asmaou, si Adja Asmaou partait pour demander justice pour qu'elle récupère la maison, on va la dire de ne plus revenir là-bas. Ils vont la dire de ne plus revenir là-bas. Mais il se trouve que le vieux Fassiné là, c'est un ancien militaire du feu général Lansana Conté. Donc, ce gouvernement n'a rien à foutre de lui. S'il était du RPG, lui, il était du RPG. Adja Asmaou, si elle partait pour demander ça, une seule fois, elle ne va plus remettre les pieds là-bas. Elle ne va plus remettre les pieds là-bas. Parce qu'on va la dire, et on va la dire par A plus B. Lui, là, il est avec Alpha Condé. Elle ne va même pas oser partir là-bas. Mais c'est un vieux qui a servi le feu général Lansana Conté. Il se trouve que c'est un ancien cadre sous-sous militaire. Et nous, Odoro, les cadres militaires sous-sous et les cadres militaires peuls. Vous êtes la cible aujourd'hui. L'armée guinéenne aujourd'hui est constituée que des malinqués. Que des malinqués. Partout où vous partez, c'est des malinqués. Partout où vous partez. Qu'on veuille l'entendre ou non, c'est ça la réalité. Partout, c'est les malinqués ou les cognanqués. C'est les deux. Les malinqués, les cognanqués. Wallah billah. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le titre de la musique, c'est Sagata Molene. Le titre de la musique, c'est Étoile de Boulbiné. Indépendance. Le titre de la musique, c'est Étoile de Boulbiné, indépendance. Mais c'est bizarre, les appels, ça ne marche plus. Restez ici. Les appels, ça ne marche plus. En général, les mardis, les Facebook sont bons qu'à partir du soir, 19h, 20h. Ok. Les cadres militaires Soussou et les cadres militaires Peul, c'est vous qu'ils sont en train d'exterminer aujourd'hui. Oula, mais au temps de Conte, c'était ainsi. Au temps de Conte, il y avait les cadres militaires Soussou, il y avait les cadres militaires Peul, il y avait les cadres militaires forestiers. Et les cadres militaires malinqués au temps du feu général Lansana Conté. Conté n'est pas diviseur. Hein. Le feu général Lansana Conté, ce n'est pas un diviseur. Hein. Pour preuve, il a nommé un peul dans l'histoire de la Guinée. Il a nommé un peul premier ministre de son gouvernement. Il a nommé un peul premier ministre de son gouvernement
et il a nommé un peu président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée. Et là, Boubacar Birobari, le seul général à s'en compter. Il a nommé un peu président de son Assemblée. C'est-à-dire, en ce moment, s'il arrivait à mourir au pouvoir, en respectant la Constitution, le feu général Lansan Conté, s'il était mort pendant que Elage Boubacar Biro était président de l'Assemblée, c'est Elage Boubacar Biro qui allait être président. Vous pensez que Conté est comme votre tortue, président des tortues? Et il a nommé un peu son premier ministre. Son premier ministre. Depuis qu'il a quitté ici. Est-ce que vous avez vu un peu le premier ministre ici? Vous avez vu un peu le chef du gouvernement? Un sous-soupe, chef du gouvernement, c'est lui qui a fait ça. Ouais. Oui, mon frère. Ouais, ça va. Ok. Moi, je vais intervenir par rapport à ce que tu viens de parler pour la femme qui veut détruire la maison de monsieur là. Tu sais, nous, on ne sait pas. Moi-même, je ne savais pas. Je n'ai pas entendu le nom de la femme là. C'est une femme de Lassana Conté. Je viens d'avoir ça. Parce que moi, je connais la femme de Lassana. Le président Lassana Conté, paix à son âme, c'est Maman Ariatou Conté avec l'autre femme là. Cadette 7. Très bien. Donc, moi, ce que je vais dire pour ça, la femme, si à l'air là, elle est puissante, elle peut avoir ça. Elle n'a qu'à mettre quelque chose dans sa tête. Les jours que le régime la va changer, elle va foutre dehors aussi. Parce que, pourquoi moi je dis ça? Elle va... La Guinée, c'est eux qui sont gâtés, la Guinée. La femme, ce que Maman Ariatou Conté a fait pour la Guinée, la femme n'est pas fait ça. J'essaie de me faire comprendre. Donc, la population, là où les messieurs là, habitent, les populations doivent aider les messieurs pour ne pas que les vieux la voient sortir. Parce que les vieux, la tante des régimes, les papas à Conté, ils ont tous aidé notre pays en Guinée. Tout le monde le sait. Donc, c'est mieux, la population, tout le monde va réveiller, vont venir à la place là où la maison est, même si c'est ville désert. Qu'ils ont envoyé toutes les populations n'est qu'à donner la main pour ne pas bon Dieu tout la maison pour ne pas la femme la va avoir la maison même si la femme là a eu la maison la régime là ne va pas continuer tôt ou tard la régime là va changer mais ce que vous ne comprenez pas le patrimoine bâti l'État dit que d'abord que ça ne les regarde pas ils ne sont pas dedans. C'est ce que l'État, les responsables de patrimoine bâti ont dit sur le live de Radio Continental. On a tous entendu. Si vous n'avez pas vu, allez regarder. Que pour le moment, que lui, eux, ils n'ont rien à voir dedans. Agui, moi, je ne peux pas avoir si ça c'est vrai. Tous les problèmes qui passent, le gouvernement ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont rien à voir dedans. Ça, ce n'est pas possible. Mais c'est des salauds. C'est les gens de Alpha Condé. C'est eux-mêmes qui vont dire que, bon, tu vois, donc le régime là, on ne peut rien dire. Mais la femme n'est qu'à mettre quelque chose dans sa tête. Elle n'est qu'à mettre quelque chose dans sa tête. La régime là, ça ne va pas continuer. Tous les gens. Mais le régime là est mort, mon frère. Nous, on est en train de prendre le chapelet chaque nuit pour maudire le régime là, pour que le régime là, ça finisse du jour au lendemain. Chaque jour, on prend le temps pour ça. On sait, du blabla que je vous raconte. Ouais, on dit, c'est les femmes comme ça, quand tu as l'argent aujourd'hui, ils sont avec toi. Demain, quand tu es foutu, ils sont avec l'autre. C'est les femmes, elles sont comme ça. Et ils sont pas d'amour avec quelqu'un, avec un homme. Essaye de me faire comprendre. Moi, je sais une chose. Toutes les femmes de président Conté, paix à son âme, il n'y a pas une femme qui a bâti comme Maman Ariatou Conté. C'est la vérité, mon frère. C'est la vérité. Wallahi. Si tu dis la vérité Wallahi. Et si tu ne dis pas la vérité. Et puis, je vais te dire une chose aujourd'hui. C'est moi, Barry, qui t'a dit ça. La Guinée ne voit jamais avoir un président comme Conté. Même si c'est moi qui deviens président en Guinée aujourd'hui, la Guinée ne voit jamais avoir président comme Conté. Ça, c'est fini. Ça ne revient plus dans la vie. Ça ne revient plus. En tout cas, nous, notre président, je vais vous dire, et là, je m'en vais sur Loudalin, quand il va venir, on va fermer tous les robinets. Il n'y a plus de vol. Mon frère,
C'est bien sûr. De... On va acheter. On va, si monsieur, on va acheter. On va acheter maison à Dakar. On va acheter maison à Abidjan. On va acheter maison à Paris. Il y a plus ça. Il y a quand pas de problème. Il faut mettre quelque chose à la tête. Si Mamadou Sellou Dalein Diallo vient au pouvoir, il va gérer les pays. Tu as raison. Mais le temps passé pour construire étages comme ça, l'argent rentre gauche à droite là, comme quand de l'as n'a compté là. Mon frère, faut oublier, ça, ça arrive plus dans la vie. En Guinée. Voilà. Ça, c'est clair. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ouais. Merci, c'est gentil, vraiment. Bye bye. Bonne journée.